Monsieur Woodruff, on vous a testé positif pour le VIH. Nous estimons qu'il vous reste 30 jours à vivre. Il y a rien sur cette terre qui puisse tuer Ron Woodruff en 30 jours. De nouveaux médicaments sont disponibles pour être testés, et dans ce putain d'hôpital. J'en ai besoin. Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Woodruff. Où allez-vous comme ça? Ils ont de bons médocs au Mexique. C'est mieux que ce qu'on a ici aux States. Et on peut pas les acheter aux États-Unis? Non approuvé. Vous pourriez faire fortune avec ça. Vous importez des médicaments illégaux pour les vendre? Pas illégaux, non approuvés, c'est tout. Je te cherche partout, Lucky Luke. Écoute, princesse, à moins que t'aies plus d'argent ou de nouveaux clients, je suis occupé. Tu mérites pas notre pognon. Bienvenue au Dallas Buyers Club. Vous traitez ces patients? Ils se traitent eux-mêmes. Je vends pas de la drogue, je vends des adhésions au club. Il nous faut du nouveau matos. Vois, avec Amsterdam, la Chine et Israël. On peut s'entendre avec eux. Pourquoi on est là? Un chouette resto, une belle femme. Je me sens revivre. Monsieur Woodruff, vous n'êtes qu'un vulgaire trafiquant de drogue. Je n'ai qu'une vie. Je veux qu'elle ait un sens. Just let me be your ticket home.